Bonjour Internet, bonjour à tous, ici Kazamania les amis, je vous retrouve en vidéo Guild Wars, on continue le let's play, découverte de la saison 4 du monde vivement POF, épisode 5 qui tout double, pour ce mini chapitre numéro 4, oui je sais ça fait beaucoup de chapitres dans des chapitres dans d'autres chapitres. Pour rappel les amis, Guild Wars 2 est un jeu accessible gratuitement, sa version de base, lien en description de la vidéo, vous pouvez vous inscrire et y jouer dès maintenant gratuitement, un jeu de très grande qualité, MMORPG, Heroic Fantasy, de référence, et si vous souhaitez poursuivre ensuite l'aventure, vous pouvez très bien acheter les DLC Heart of Thorns et Pass of Fire, lien en description de la vidéo. Alors, on continue la session, la continuité, j'invente des mots, je sais, de ce let's play, avec donc, comme je disais, l'épisode 5 qui tout double, et nous sommes sur le mini-chapitre Résonance, expliquer le nouveau plan à la maîtresse de la forge, Illina. On va donc parler à la maîtresse de la forge pour voir où est-ce que tout ça va nous emmener. Épisode dernier, rappelez-vous, Oren nous a aidé à cramer une faille temporelle et a fait une espèce de fusion métastasique, une fusion avec Kate pour pouvoir discuter avec elle. Bon, tout un bordel, je vous invite à voir l'épisode précédent, c'est plus simple à suivre. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, un partage, un abonnement, puis à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous jouez à Guild Wars 2 ou pas, où est-ce que vous en êtes, tout ça. Allez, c'est parti. Donc, la maîtresse de la forge, Illina, est ici. Bonjour. Changement de plan. Nous allons attirer ici Krakatorik. Nous allons le coincer et le frapper de toutes nos forces. Ici? Mais ça pourrait détruire la forge. Vril elle-même fabriquait des armes entre ses murs. Je sais. Mais Taimi pense que la technologie Draguer peut amplifier vos cristaux pour lui faire très mal. Peut-être même le tuer. Si nous réussissons, ce sera grâce à tout le travail accompli ici. Dans le cas contraire... Vous n'avez pas tort. Je vais en parler avec votre ami. Alors, obtenir la technologie Draguer pour amplifier les cristaux de résonance. Donc on a le plan est de faire venir Krakatorik ici. Pour ce faire, nous allons devoir nous associer avec les Draguer pour pouvoir amplifier les cristaux de résonance de la forge. Tout un programme, on va aller stepper. Pic de chef tonnerre. On va faire pop quand même nos petits bordels, ça peut servir. Je vois qu'il y a tout un événement apparemment en route. Hop là, voilà. On a notre armée, on aura un semblant de protection au cas où. Alors... Changement de plan, Varga. Nous allons attirer Krakatorik dans la forge et l'éliminer. Dans la forge? Commandante, j'ai dit que je vous aiderais, je le pensais. Mais je ne veux pas demander aux miens de participer à ça. Je comprends, vous avez assez souffert. Mais vous savez comment on pourrait amplifier la résonance sonique contre... disons, un dragon ancestral? Je crois que c'est ce que font les miroirs paraboliques de nos tanks. Mais je ne connais personne capable d'en expliquer le fonctionnement. Les créatures stigmatisées ont pris nos ingénieurs, ainsi que nos tanks. Ils ont été éparpillés sur la banquise. Commandante, si vous me rapportez des échantillons, je pourrai étudier leur fonctionnement. J'imagine qu'ils seront endommagés, il m'en faudrait donc 3. Vous feriez mieux de prendre un peu d'huile avec vous. Comme elle est très inflammable, elle pourrait s'avérer utile pour démonter les tanks. Merci, Varia. Mettez les vôtres à l'abri lorsque le dragon sera là. Gardez-les en sécurité. Alors, on doit donc récupérer, les amis... le miroir parabolique ouest, sud et est. Et j'ai de l'huile, répandre de l'huile par terre. Ouais. Est-ce que ça a une utilité quelconque de m'emmerder avec ce truc? Je ne pense pas. Donc on va aller sur la banquise, tout droit tout simplement, on va choper, hop là, notre monture, et on va ramasser donc les miroirs paraboliques qui traînent par là, au niveau de la banquise. Ok, donc il y a du fight, normal. Alors, baril d'huile. Alors, c'est Draguer, vétéran, marchandises, pack de marchandises du pack, je sais plus ça, si je peux ramasser ça comme je veux ou pas. Il vous faut une clé. Il vous faut une clé marchand. Ok. De l'huile. Inspectez. Il s'agit sans doute de l'un des camps. Je vais pouvoir traîner une faille d'huile à partir de cette... Bon, on va mettre une faille d'huile. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de faire... de foutre une putain de faille d'huile sur ce truc-là? Ok. Je dois pouvoir faire une traînée d'huile à partir de cette bouche.
Qu'est-ce que c'est que la bouche? Merde. Je comprends pas l'intérêt d'avoir une huile. Ah. Faut peut-être l'inflammer après, non? Ah, mon cas. Oh, ah oui, d'accord. Ah, regardez. Là? Peut-être? On va pas rester là? Ok. Ensuite, je fais ça. Merde, je pensais être malin. Ou alors faut que j'en sois plusieurs. Qui aille jusqu'ici. Ah ouais, trop cool. J'ai compris, c'est trop fun. Taimi, comment ça se présente? Ça s'annonce bien. Tout le monde se prépare. Et Oren nous aide à créer des armes de sang de dragon à une vitesse incroyable. Parfait. Alors écoute, il me faut quelqu'un pour surveiller le ciel. Alors tu vas te placer en hauteur, loin du combat. D'accord? Par l'alchimie, vous aussi? N'essayez pas de me mettre à l'écart. Je peux me défendre. Je sais, je ne prétends pas le contraire. Mais j'ai besoin de quelqu'un en hauteur pour observer Kralk une fois qu'il sera là. C'est vital. Si vous le dites. Kralk, hein. On utilise des petits noms maintenant pour le grand méchant. On l'appelle Kralk. Ouais, c'est Kralk, mon pote Kralk. Ok, donc j'ai compris le principe, c'est vachement drôle. Le principe de balancer de l'huile comme ça, de faire un... une traînée d'huile. Allez, on est reparti. On va retrouver le deuxième tank. Il est là. La bouche. Ouh, ça va être plus compliqué là tout de suite. Là, c'est un petit peu plus complexe. Alors, on va essayer d'être malin. Hop. Oh, faut aller vite parce que c'est un certain temps de... Ah, je brûle. Allez, moi je pense que ça va le faire. Vas-y. Blablabla. Wouhou. J'adore, je suis fan, j'adore cette mission. C'est trop drôle. Ok, ça c'est bien fait, on l'a. Disque de concentration, Draguer. Commandante, j'aurais une suggestion pour... Comment avez-vous dit? Coincer le dragon? Oui, j'écoute. Cet endroit a été construit sur une chaîne de montagnes, n'est-ce pas? Et si nous posions des charges pour que ces montagnes s'écroulent sur Kralkatorik? C'est... ingénieux. Rassemblez une équipe. Saïda vous emmènera. Parfait. Je vous tiendrai au courant. Ah, ils veulent quand même... Ils veulent carrément faire sauter la montagne, quoi. Faire péter la montagne, faire péter le... Faire tout péter. Voilà, faire tout péter pour coincer Kralk. Le beau Kralk. Kralk. Ça fait un peu genre, on appelle mon pote. Hey Kralk, ça va? Bon, voilà. Donc, ils veulent faire péter une montagne sur la gueule de Kralk. Ok. Donc, là, le plan est de plus en plus ingénieux. J'ai envie de vous dire que là, c'est un sacré plan. Hop là, est-ce que j'ai réussi à esquiver le bordel? Ça m'a tout l'air, c'est parfait. Ok, très bien. J'ai un gros personne. Alors, prochaine bouche, où se trouve-t-elle? Oula. J'ai l'impression que c'est là. Ah oui, c'est pas tout prêt. Alors, on va essayer de faire ça. Vite et bien. J'ai pas l'impression que je touche là. Allez, vite, parce que ça disparaît au bout d'un certain temps quand même. Alors, est-ce qu'on peut le faire en deux fois? Au pire, est-ce que ça reste un minimum allumé? Je vais rester dans le feu au cas où. Ah merde, c'est stigmatisé, je peux pas. Ah. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors je pense que s'il y a plusieurs barils d'huile, c'est qu'on peut pas faire en une fois. Donc on va recommencer de manière intelligente, mon Kaz. Je pense pas qu'il faille que tout se touche avec exactitude. On va voir. Alors là, j'ai pris mon premier baril. On va enchaîner sur le deuxième. Je pense que c'est tout simplement ça. Le fait que je n'y arrive pas du premier coup. Ah ouais, putain. Et là, tu vois, je suis un peu coincé à chaque fois. Alors à mon avis, je dois trop en mettre. Ah, je suis vraiment regardé un petit poil de fesse, comme on dit. Le petit poil de fesse qui manque. Donc on va attendre que ça disparaisse et on va recommencer. Je pense que c'est tout simplement ça. Alors on va essayer de mettre un peu plus d'espace entre les huiles. Alors, un comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Là, je pense que tout se touche. On est pas mal. Là, on est pas mal. Un comme ça. Un petit dernier qui va être dans la flamme. Allez, pour être sûr. Non, ça ne vaut même pas la peine. Je pense que ça devrait y aller.
Non. Non, je suis deg. Ah, ça l'a pas touché. Bon, on a compris le principe, on va y arriver. Ah, j'ai pas pris le bon baril. Allez, vite, 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 mon casse, vite, 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 vite. Est-ce que je peux mettre un dernier? Non. Bon. C'est pas grave. On va arriver. On va attendre que tout ça dépop. Ah ouais, donc j'ai eu vraiment un très gros raté sur... sur le... Bah, ça touchait pas le truc, hein, tout simplement. Donc on va recommencer tout de suite. On va faire en sorte que ça touche. Voilà. Là, ça devrait y aller. Là, ça devrait y aller. Là, on est pas mal. Là, on est même très bon. Et c'est les deux derniers sur lesquels j'ai tendance à me craquer. Oh là, quand même, ça y va. Est-ce que je peux en mettre un petit 6ème? Non, il y a toujours un qui manque. Hein. Allez, boum. Faut-moi du rêve. Boum, 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 boum. Ah, bah décidément. Ouais, je suis pas si bête qu'un autre. Un peu. Vous parlez, commandant? Je vous écoute, Saïda. Votre ami l'épineux m'a fait part de votre requête. Et vous me connaissez. Je ne raterai pour rien au monde l'occasion de faire sauter une montagne. Kanak rassemble des volontaires. Mais nous avons un problème ici, sur les quais. La stigmatempête de Kralkatorik a fait s'écraser l'autre aéronef. Celui qui transportait les détonateurs de Kanak. Voilà qui est fâcheux. Je dépose sa miroir parabolique et j'arrive. Alors, on va remettre les miroirs paraboliques à notre vieil ami qui se trouve par là. On tourne ce TP. Il y a un monde fou ici. Il se prépare une invasion. Il se prépare quelque chose. Alors, Rona. Nous les transmettrons à la maîtresse de Forge, commandante. Ok, très bien. C'était juste une petite quête de livraison. Et faut que j'aille retrouver Saïda. Alors, est-ce que j'ai un DP qui serait plus adapté qu'ici? Non, ben, on va y aller à pattes, enfin, à dos de Raptor, c'est pas bien grave. Donc on va aller retrouver Saïda. On a une histoire donc de... j'en perds mon latin, je suis en train de regarder la personne à côté de moi en même temps. Des fameux détonateurs apparemment, et des Saïda à récupérer les détonateurs de Kanak, voilà, qui ont été perdus après un crash. Donc on va aller trouver les détonateurs, ça sera une bonne chose de faite. Et je pense qu'on nous arriverons à la fin de ce petit chapitre de l'épisode 5, qui est au double de la saison 4 du monde vivant. Alors, on va en plus débloquer un morceau de map, c'est très bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas un TP à débloquer dans le coin? Ben si, un TP juste à côté, c'est parfait. Nous sommes donc dans le Havre de la Symphonie. Ok, map que je ne connaissais pas. Il y a effectivement un lieu de crash apparemment qui se trouve juste ici. On va débloquer le TP, ça sera fait. On ira parler à Saïda juste après. Et ça va être un sacré foutoir ici, effectivement. Ah, on va sortir le lapin. On va passer au-dessus des... Du dénivelé, là. Ploup. Voilà. C'est pratique, ce truc, quand même. Hein. Comme on faisait avant. Hein? Comme on faisait avant. Commandante, par ici. Attends. Oui, tout le monde m'appelle. Tout le monde a besoin de moi. Je sais. Laissez-moi juste prendre le TP avant toute chose. Après, important d'avoir la... débloqué la zone tranquillement. Ici. Hop, c'est fait. Point de passage du mouillage. Ok. Avec un nom tout en poésie. Alors, Saïda. Raconte-moi tout. Les détonateurs de Kanak sont toujours à bord. Mes corsaires craignent les créatures stigmatisées. Et je les comprends. Je vais m'en occuper. T'inquiète pas, maman, on gère. Donc on va récupérer les détonateurs sur la map. Ils sont tout droits. On va ressortir notre lapinou. Non, pas le lapin. Ça, c'est grossière erreur de débutant. On va sortir le raptor. Parce qu'avec le raptor, on peut faire... Chop là. Allez, on crame tout ça. Oh merde, ça glisse ici. Ah, il se passe un truc là sur la map. Avec une histoire d'huile à récupérer. Je pense qu'il y a dans un sacré gros événement dans un coin, la map. Ça devait être là où on était tout à l'heure. Là où on a ramené nos disques. Nos disques tout simplement. Parabolique, hyperbolique. Tétra... Non, ça marche pas. Une blague de mauvais goût.
Alors, pour ce temps-là, on fait monter des points pour les veines du coin. Ok. On va ressortir le raptor. On est toujours en combat, donc on n'avance pas, c'est bon. Voilà. Est-ce que je peux avancer sans être en combat? C'est couillu, mais ça passe. Voilà, les ustimatisés sont ici. Ravitaillement des corsaires. On devrait être pas très très loin. On va se faire des ustimatisés, on va pas laisser ça traîner. Ils sont costauds les trucs ustimatisés quand même. Hein. On voit que c'est du niveau 80 de endgame. Hein. C'est pas du petit mob. Tête à win. Voilà, on avance. On devrait trouver des détonateurs juste après ce petit virage. Zone de cristaux de dragon. Voilà, ils sont. Ah, ils sont de l'autre côté. Oh merde. Merde, c'est quoi cette histoire? Ah, comment je passe ici moi? Je veux bien, mais comment je passe ici? Est-ce qu'il faut que je sorte mon lapinou? Ça me paraît tellement casse-gueule. A mon avis, je pense que j'ai pas pris un raccourci, j'ai pris un rallongi. Il est possible que cette histoire soit à rallongi. C'est de l'autre côté. Alors, est-ce que ça va le faire en passant comme ça en mode. En mode Mario, Super Mario. Là, c'est Super Mario Bros. Là. Oh, ça peut le faire. Je crois en mon lapinou. Mais je pense qu'il y avait beaucoup plus simple. C'est en dessous de moi. C'est en dessous de moi. Donc il y a une entrée que j'ai ratée. Cas, il y a une entrée que t'as ratée quelque part. En plus ça brûle. En plus ça brûle mon grand. Ne traîne pas là. Ne traîne pas là. Ah 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 ah. Hop là. Mais. Ah. J'arrive pas. Tombez dans le trou. Allez. Tombe dans le trou. Tombe dans le trou, je t'ai dit. Ah oui, bah non, je pense qu'il y avait beaucoup plus simple. Hein. J'ai toujours tendance à un peu complexifier les choses qui pourraient être tellement plus simples. Ouais, ouais, effectivement. Il doit avoir une entrée quelque part. Une entrance. On va trouver l'entrée hein, quand même. Fais un petit effort de recherche. Voilà, c'est là. Voilà. Je vois pourquoi t'as toujours le chic, mon cher Kaz, de compliquer tout alors que c'est tout simple, il suffit d'aller ici tranquillement, voilà. Ok. Allez, on y va. On casse tout, on récupère les détonateurs et on se barre de ce coin pourri. C'est quand même un coin assez pourri. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ça craint un petit peu ici. Effectivement, c'était bien un rallongi que j'avais pris. Hein. Alors, détonateurs, ils sont là. Allez, 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 allez. Poup. Retournez voir Saïda. On y va. On TP. On va voir notre ami Saïda. Bon. On lui dira pas qu'on en a chié un petit peu. Hein. C'est pas la peine de lui dire. Ouais, c'était trop facile. J'ai trouvé tout de suite du premier coup. Comme d'hab. Saïda, s'il te plaît, bonjour. Votre ami vous doit une fière chandelle. J'espère que cette idée insensée va marcher. Ça marchera. Ne vous inquiétez pas pour nous. Menez son équipe à bon port, puis restez à l'écart. Et ratez l'occasion d'empaler un dragon ancestral? On va remplir nos canons de cristaux stigmatisés. La flotte va le bombarder quand il arrivera. On l'affaiblira le plus possible, commandante. Vous n'aurez qu'à porter le coup de grâce à ce fils de Skrit. J'y retourne. Kralkatorik, le fils de Skrit. C'est une insulte qui marche, qui fonctionne. Allez, on va valider ça. On va retourner la maîtresse de la forge. Voir si elle approuve notre plan. Ok, je vois que tout le monde est prêt à en découdre. Hein. C'est plaisant de voir que nous sommes soutenus dans ce combat jusqu'au bout. Vos amis Azura ont examiné les miroirs que vous avez récupérés chez les dragueurs. Vous voyez? Je vais bien! Je vais modifier les cristaux en respectant leurs consignes. C'est un concept fascinant et un plan audacieux. Voyons si ça marche. Et ben voilà les amis, ça s'est fait. Résonance terminée. Nous avons fait cette petite enchaînement de quêtes ensemble. Et nous nous retrouvons prochainement les amis pour le dragon de cristal. Préparez vos forces pour la bataille contre
Ah, c'est dur à dire à chaque fois. Contre Kralk, Kralkatorik, il faudra rentrer dans l'auditorium. C'est là que nous allons lui tendre le piège. Est-ce que ce sera l'épisode final de cet épisode 5 qui tout double, saison 4, nous allons découvrir ensemble prochainement. Lien en description de la vidéo, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et surtout, amusez-vous bien, bye tout le monde.